On va commencer maintenant parce qu'évidemment, enfin, bienvenue à tous au château de Vos. Donc, on y est enfin. Après de multiples péripéties, je ne vous raconte pas notre voyage. Ça n'a pas été une mince affaire d'arriver jusqu'ici. Donc, bienvenue à tous. On commence tardivement, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Alors, nous avons le château à nous tout seul. On a certaines restrictions, bien entendu, parce que les propriétaires vivent, bien entendu, ici dans le château. Donc, on a accès quasi partout, mais vous allez constater qu'à certains endroits, on va agir plus en silence. Alors, avant de démarrer cette enquête, je vais vous donner quelques informations qui vont avoir leur importance. D'abord, premier point qui est très important, c'est l'aspect technique. Alors, évidemment, vous savez tous que nous sommes un groupe belge. Nous sommes le premier groupe belge à pouvoir faire une investigation ici dans le château de Vos pendant 48 heures. Donc on va y travailler, on va faire une enquête pendant 2 nuits. On va y rester évidemment 2 jours. Le réseau Internet, évidemment, on est en pleine campagne. Donc le réseau a ses limites, donc, auxquelles on va être confronté. Donc ce que je voudrais d'abord nous excuser, c'est que peut-être par moment, il va y avoir des coupures. Donc, on avait la possibilité de faire une enquête entre nous, filmée, sans faire de live. Donc, on a décidé, pour vous en faire profiter tous et toutes, on a décidé de faire un live avec les inconvénients que ça peut engendrer. Donc, désolé pour cela, mais on va le faire. Alors, on est dans une ambiance très particulière, bien entendu. Vous allez pouvoir le constater. On a été un peu pris par le temps. Donc on a placé un peu notre matériel vite fait, bien fait, parce que on a une deuxième enquête demain. Donc on va un peu découvrir avec vous le château ce soir, avec ses mystères. Et on approfondira demain l'enquête avec ce qu'on aura appris ce jour. Alors, bien entendu, on va être à l'affût de tout bruit. L'enquête avec laquelle vous voyez ici ce live, ben, c'est pas mon GSM avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc, Natacha, voilà, j'espère que Natacha, tu nous suis. Natacha, si tu as un message à envoyer, tu l'envoies sur mon GSM. Tu l'envoies chez moi, parce que ici, sur le smartphone de Manu, celui avec lequel on travaille, on ne voit pas combien d'abonnés il y a. On ne voit pas vos questions, en tout cas, on ne voit pas une majorité de questions. Donc, on va travailler un peu à l'aveugle. Ouais, c'est un peu ça. Donc, désolé pour cet aspect technique. Je voulais d'abord démarrer avec ça a son importance. Alors, on se trouve ici dans le couloir d'entrée du château de Vos. Alors, ce couloir, évidemment, il a toute une histoire. On ne va pas vous en expliquer. Il y a assez d'enquêteurs qui l'ont fait avant nous. Nous, on est là vraiment pour l'aspect paranormal, avec ou sans preuve, peu importe. On va travailler de la sorte. Alors, aujourd'hui, pour l'enquête, comme d'habitude, Michel, Manu, il y a le mari de Michel qui est avec nous, qui va nous aider parce que le château il est vaste. Donc demain en plus c'est vraiment l'idéal. Et il y a Alex qui nous filme. Tu peux tourner, tourne-toi Alex, comme ça on montre que c'est réellement toi. Voilà, Alex est là. Et heureusement d'ailleurs. Donc, on est toute l'équipe et on va faire du mieux que l'on peut. Alors, au niveau matos, où va-t-on placer le matériel? C'est toujours un peu délicat. Soit on le place dans les mêmes pièces que les autres enquêtes, ce qu'on n'a pas spécialement voulu faire. On va suivre nos intentions, les ressentis de Michel et Manu. Mais vous vous rendez compte, vous savez pourquoi le château de Vos est connu, donc c'est le fantôme de Lucie. Et on va principalement axer l'enquête sur le chemin de garde. Dans un premier temps, demain, ce sera l'ensemble du château. Alors, on a placé évidemment une caméra de chasse dans le chemin de garde et un petit pod. On verra bien comment les choses vont se dérouler. Donc, vous allez découvrir avec nous, on va progresser dans le château, de pièce en pièce, d'endroit en endroit. Vous allez découvrir tout simplement avec nous quelle en est la teneur, si oui ou non on va être confronté aux différents phénomènes, s'il
ils veulent bien se présenter ce jour. Alors, important, Michel et Manu ont déjà eu, en plus d'un ressenti, Michel et Manu ont déjà eu un bruit. Alors, un bruit qui sort de l'ordinaire. Vous allez me dire, on est dans un château, il a fait chaud, donc le bois craque, hein, il y a des planchers en bois. Le château a son histoire, il a son vécu, il a ses propres matériaux. Le bruit qu'on a entendu est un bruit que l'on met sur le côté parce qu'il n'appartient pas au bruit habituel du château. Donc on a eu ce claque sur le chemin, juste à l'entrée du chemin de garde en fait. Alors, Manu et Michel, elles vont vous l'expliquer, ont eu un ressenti très particulier justement à l'endroit où l'éventuelle Lucie ou autre serait apparue. Donc c'est ça qui a son importance, c'est qu'évidemment on connaît l'historique, on sait où Lucie apparaît, mais à part cela, il y a quand même un ressenti très particulier et on doit le préciser que c'est à cet endroit-là sur le chemin de garde, aux trois quarts du chemin de garde, que Manu et Michel ont eu ce ressenti très particulier. On va essayer de vous le faire découvrir et de vous faire ressentir, évidemment. Chose qui a son importance ici. Voyez où se trouve le térémine. Il y a une chaise. Eh bien, quand nous sommes arrivés tout au début de la journée, Michel et moi, puisque nous étions les premiers, nous avons eu ici un ressenti très particulier. Donc moi, j'ai eu la chair de poule. Vous savez que moi, ça m'arrive que quand il y a un événement très particulier, donc il y a réellement quelque chose. Donc on a eu un ressenti très particulier ici à cet endroit. C'est la raison pour laquelle on a mis le térémine. Et d'après Michel, il y a une présence. Cette présence, elle se trouve à l'endroit pratiquement où se trouve la chaise. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis un térémine qui va peut-être se déclencher ou peut-être pas. S'il se déclenche, c'est fabuleux. Mais voilà, on croise les doigts. Ensuite, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. On va découvrir de toute façon, à chaque fois, pièce par pièce, ce qu'il en est. Séance de guéridon, séance de Ouija. Et on a déjà choisi, enfin, Michel et Manu ont déjà choisi leurs endroits pour vous présenter ces deux séances. Voilà. J'ai terminé de parler. On va passer près des deux médiums et elles vont vous donner leurs explications. Allons-y alors. Abonnés. Et bonsoir à tous ceux, toutes celles qui sont venues nous voir. Oui, ça nous a fait vraiment hyper plaisir. Un super grand merci à tous. Un grand vraiment. Merci. Et vous nous ceux. Encouragez à continuer. Voilà. J'ai vraiment... C'est chaud au cœur. Ouais. Ça nous a fait chaud au cœur. Vraiment. Voilà, elles se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On vous aime. Voilà. Alors... Manu, vas-y. Nous sommes allés dans la tour, hein, oui. Dans la tour où cette dame Lucie serait décédée. Oui. Hein. Nous y avons installé un pod. Oui. Hein. Mm-hmm. Dans la galerie, Joël a installé la caméra de chasse. Oui. Et un pod. Donc, aussi. Qui va se déclencher donc, au moindre passage, à la moindre chose qui va se manifester. Alors, on l'a mis là pourquoi ? Parce que tout à l'heure... Voilà. Nous nous sommes rendus, Manu et moi, donc, dans cette galerie et nous avons eu de forts ressentis à un endroit bien précis. Oui. Joël nous a confirmé, mm-hmm. hein, parce que nous ne savions pas, Joël nous a confirmé que c'est l'endroit... Où elle se manifestait. Où elle apparaît. Mm-hmm. Voilà. En levant les mains, nous avons ressenti une forte énergie qui nous faisait penser que comme il y avait comme un couloir. Un couloir, hein, un canal. Voilà, ouais. Un canal. Donc nous espérons que c'est à cet endroit qu'elle se manifeste. Et dans la pièce bleue, là, où on a... Et pendant qu'on était dans la galerie, nous avons eu un gros tac dans les mais murs. Mais vous savez, pas un craquement de bois. Non, un tac dans le mur. Vraiment un gros tac. Ouais. Parce qu'il n'y a rien dans cette rien pièce. Rien du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de meubles. Il n'y a rien. Donc nous avons C'était vraiment dans le mur. On l'a vraiment entendu. Oui, ouais. Oui, voilà. Donc on s'est dit que... on nous entendait. Alors, maintenant, ce que nous venons de faire en installant le pod,
Manu, comme tu l'as conseillé, oui. Nous avons demandé au gardien des lieux son autorisation. Hein. Même si le propriétaire nous l'a donné, on voilà. demande quand même au gardien des lieux. Ouais. Voilà, au gardien des lieux, j'ai ben, bien sûr sur mon bras gauche. Qui nous a vraiment... Oui, ouais, ben moi c'est sur le droit. Qui nous a bien dit que c'était OK, donc on peut y aller. Voilà. On vient dans l'amour et dans la bienveillance. Voilà. Donc, voilà, nous avons expliqué notre démarche. Qui est un petit peu différente de celle des autres enquêteurs. Oui, hein, bien sûr. Et voilà. Puis on vient pas nettoyer. Chacun a son sa façon de travailler, sa façon de travailler, ses ressentis. Mm-hmm. Voilà. Nous, ben nous venons avec ce que nous connaissons. Voilà. Et avec nous. Avec. Voilà. Donc nous espérons que Dame Lucie va se manifester ou toute autre entité qui elle sera dans ces lieux. Elle est la bienvenue. La dame au chignon, la personne que j'ai ressentie tout à l'heure sur la chaise. Attention, tu es près de la caméra. 4K. Voilà, donc voilà, ici on est au tout début. Hein, bien sûr, l'ambiance est différente de cette journée. Ouais. Hein, bon voilà, nous arrivons, ouais. Il fait noir, c'est un petit peu différent. Et c'est ce qu'on aime. Voilà. Mm-hmm. Et donc on va s'imprégner tout doucement de ces lieux. Et de cette énergie. Et de cette énergie, Joël. Et nous allons te suivre. Hein. Donc, tu bien voudras sûr. Bien nous mener. Ouais, je croise les doigts évidemment. Mais nous aussi, mais c'est positif. Donc tu nous as dit, tu veux principalement te concentrer. Ouais, donc ce qui est important, c'est que comme on fait l'enquête en deux nuits, on va un petit peu apprendre aujourd'hui de cette enquête et on va plutôt axer, parce qu'il est tard et qu'il approche minuit, et que c'est à minuit que apparemment le fantôme de Lucie, si fantôme de Lucie il y a, apparaîtrait sur le chemin de garde. Donc on va plutôt s'axer évidemment sur cette démarche-là. Maintenant, ce qui est important, Manu, tu as eu un prénom. Oui. Donc on était ici il y a quelques instants, Manu a eu un prénom. Donc vous savez bien que Manu, quand les infos qu'elle reçoit en écriture automatique ou ce qu'elle entend, en ressenti, généralement c'est du 100%. Alors, je crois qu'avant avant d'aller à l'étage et de vous montrer et d'aller au chemin de garde, on va vous montrer peut-être la salle où on va faire la séance de guéridon, parce qu'elle est juste ici. Guéridon qui est installé depuis cet après-midi à la bonne place. Voilà, qui tient un peu l'ambiance. En tout voilà. cas, c'est, donc, la, filles, c'est la place que j'ai ressentie et qui est juste allez, donc, allez, juste. Voilà, la meilleure. Qui nous a été en plus la plus adéquate. Et cet emplacement nous a été confirmé par Jérémy, donc le propriétaire des lieux. Donc je suppose que c'est pour cette raison. Vous voyez, il y en avait déjà de guéridons. J'ai placé le mien juste à côté. Et Joël y a placé un pose. Excusez-moi. Oh, c'est juste un pied, ça. Voilà. Donc c'est ici que nous allons tout à l'heure pratiquer cette séance de guéridon. Parce que c'est une très belle pièce, hein. Vous voyez, elle est de style un peu ancien, gothique. Les autres pièces sont un petit peu plus, je veux dire, on a détourné un petit peu l'atmosphère en atmosphère marocaine, en atmosphère orientale. Voilà, je m'y sens peut-être un petit peu moins intégré dans l'atmosphère. Ici, vraiment, nous sommes dans l'atmosphère château. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça, avec cette grosse table, hein, vous voyez, cette vraiment grosse table gothique, hein, voilà, où, qui est cette table où je viens de voir passer quelque chose, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Je viens de voir passer quelque chose comme ça. Ah, c'est un insecte. Debunk, hein, c'est un insecte que j'ai vu passer. Donc, pas de souci. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez. Donc cet aménagement de salle est chaud, voilà, accueillant, voilà. Et c'est ici que vraiment que je sens qu'il faut que nous fassions cette séance de guéridon. Je n'ai pas encore choisi où nous allons faire la séance de Ouija. On verra ça peut-être un peu plus tard, hein, dans la soirée, voir comment ça va se dérouler.
Et voilà, je déciderai en fonction de, des ressentis qu'on aura. Mais en tout cas, le guéridon, je confirme, ce sera ici. Voilà, merci beaucoup. Voilà, suivez-moi. Voilà. C'est Joël hein, qui joue avec son thérémine. On fait des tests. Hein. On fait oui, des tests. Voilà, donc il teste le matériel, voir si tout fonctionne bien. Est-ce qu'on irait dans la salle où... Donc je pense que c'est... Experience SXZ. Je retiens, désolé, je les aime bien, mais je retiens jamais. Là. Je retiens jamais... c'est SXZ, voilà. Mais soit que c'est Spirit Experience, voilà. Spirit Experience. Donc ils ont eu, évidemment, ils ont eu du mouvement dans une pièce. On va aller la voir maintenant parce que ça vaut le coup. Elle est assez particulière. C'est un peu une salle, moi je l'appelle la salle Kitsch. Kitsch, c'est à la belge. Mais j'espère que le réseau passe. Vous allez voir, vous allez accéder ici. Non, ça c'est la même cuisine. Ça passe, Alex. Pour l'instant, ça passe. Je vois aucun. Je ne vois aucun commentaire, par contre. Oui. Natacha, si jamais on perd le réseau, qu'on ne le voit pas tout de suite sur le smartphone de Manu, contacte-moi, envoie-moi sur Messenger un message que on puisse prendre nos dispositions, puisque je garde mon smartphone en plan B. On se trouve ici. Voilà, maintenant je vais allumer. On se trouve ici dans le cabaret, en fait. Alors, c'est une pièce un peu particulière où les filles ont eu un ressenti et où, en même temps, d'autres groupes ont eu du mouvement. Et c'est la raison pour laquelle on a placé un pod ultra-sensible qui sera filmé. Donc, vous le connaissez, le pod, hein, donc il réagit à plusieurs endroits. Le pod sera filmé, il sera... maintenu en garde par cette caméra infrarouge, évidemment. Voilà. Donc, ouais, c'est la présentation du matériel. Tout en restant à l'écoute de ce qui se passe, parce qu'évidemment, comme à chaque fois, si vous entendez, si vous voyez quelque chose que nous, on ne parvient pas à voir ou à entendre, mettez-le en commentaire, connaissez le principe maintenant. Je le répète, on est pris un peu au dépourvu parce qu'on a dû se dépêcher et on n'a pas su faire tout ce qu'on voulait faire. Peu importe, on a deux nuits, donc ne vous tracassez pas, on fera le max. On va aller maintenant à l'étage. Donc on va monter, on va gravir tous les échelons pour aller dans ce fameux chemin de garde. Alors, ce que je tiens à vous dire, on a discuté avec Jérémy qui est le propriétaire du château. Jérémy vit ici avec son ami et sa maman. Sa maman est la baronne. Et lui nous a expliqué tout à l'heure qu'en fait, il a vécu des expériences paranormales. Alors, vous savez tous que j'ai une certaine admiration pour le travail de Gus DX, qui est un petit peu le maître précurseur des enquêtes paranormales. Donc Gus DX est venu ici et Gus DX a fait un travail formidable au niveau de la recherche de témoignages, d'informations sur le lieu. Et on a un petit peu discuté avec Jérémy et malheureusement, Gus DX il n'a pas fait justement quelque chose que nous on va faire. Parce que l'interview de Jérémy a son importance, parce que lui vit dans le château, il a vécu des choses très particulières. Et ces choses particulières, Gus DX n'en a pas tenu compte. Donc, nous, on a trouvé important de vous raconter l'histoire que Jérémy, le propriétaire, a vécue ici. Je ne vous cache pas que la nuit qu'on va passer après l'enquête dans nos chambres, elle va être assez particulière. Hein. Beaucoup de groupes ont eu des bruits, des visions, des apparitions dans les différentes chambres. Donc, en tout cas, moi, dans ma chambre, je vais laisser une caméra. J'ai une petite chambre avec un petit lit,
Et je vais essayer de ne pas me planter. Et je vais mettre une caméra dans la chambre. Et on a déjà entendu des bruits très particuliers. Alors évidemment, il faut se familiariser aussi avec les lieux et se dire, c'est un bruit qui est dans l'ambiance du château. Mais je peux vous assurer que de jour et maintenant la nuit, l'ambiance est totalement autre. Donc on va être très attentif à cela. Et si on suit les témoignages de Jérémie, on doit s'attendre quand même à quelque chose de particulier. En tout cas, ce que lui a vécu, waouh, c'est hot. On vous l'expliquera. Enfin, il vous l'expliquera parce qu'on va faire son interview. Et tout vous sera montré. Maintenant, Alex aussi, il a une chambre très particulière. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il dort dans la chambre des braves. J'avais mis une petite vidéo cet après-midi parce que je pensais que c'était moi qui dormais dans cette chambre. Mais c'est Alex qui va le faire. Il est peut-être un peu plus courageux. Mais il va... Voilà, on va... Bon, ma chambre à moi, elle est juste devant le chemin de garde. Donc, voilà, peut-être que l'un et l'autre, on va avoir des choses très particulières. Mais voilà, c'est une expérience, quoi. Ça va être génial. Voilà, on est un peu tout fou. On va aller à l'étage. Et vous nous suivez, quoi. Je suis dans le rouge. Eric, le mari de Michel, a entendu des bruits dans la pièce, je vais l'appeler la pièce au piano. Eric est très terre à terre, un peu plus que moi. Et quand il a un ressenti, c'est qu'il y a réellement quelque chose. Donc vous allez vivre avec nous toute une série de choses en direct. Et on risque d'avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc profitez comme nous, on en profite. Vous avez aimé le piano que Alex a joué tout à l'heure? C'est tout fou. Voilà. Pour le moment, il ne peut pas. Hein. Regardez. Pour le moment, il ne peut pas, mais bon, demain, il fera ça. Hein. Vous êtes à côté de moi. Je ne viens pas trop près avec Jérémy. Là, c'est trop près. Ça, c'est trop près. Ouais. Malheureusement, le problème du cadre. Mais tout à l'heure, vous n'étiez pas tout près. Hein. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible de faire un bruit contre une porte, un mur? Ou une touche du piano? Vous êtes assis? Oui. Bon, nous ne pouvons pas, hein, pour le moment, on nous a demandé de ne pas faire de bruit. Donc ce serait gentil de faire un autre bruit, si vous voulez bien. Allez-y, faites un bruit ailleurs. Dans une porte, dans un plancher, donc c'est facile dans un plancher. Il faut à peine les toucher. Vous voulez bien? Vous êtes parti? Non, vous êtes toujours là. Oui, il est toujours là. Est-ce que vous pourriez aller dans le rouge, s'il vous plaît? Vous pourriez aller dans le rouge? Allez. Allez, prenez plus d'énergie et montrez-vous la lampe rouge, s'il vous plaît. Allez. Je me rapproche.
chez moi. Allez-y, montrez-nous la lampe rouge. On est dans l'orange, là. Allez-y. Ça vous plaît que je vienne près de vous, vous écoutez? Allez-y, jouez. Jouez au piano. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez le cadeau. Allez-y, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes dessus, vous êtes assis sur lui. Allez, ça vit ici. Oh, regarde ça. Ouais. On est presque dans mon bouche, là. Sur le clavier. Regarde, c'est fini. Regarde. Non, c'est sur le siège qui vient. Oui, c'est sur le siège. Sur le clavier, c'est fini. Ouais. Si je pose sur le siège. Donc, Manu ressent effectivement une présence sur le dossier devant le piano. On a une distance suffisante, justement, ouais, entre GSM et le K2, ouais, pour qu'il fonctionne correctement au niveau de du recensement des ondes électromagnétiques. Alors ça va souvent être comme ça, hein. Donc on n'aura peut-être pas une réponse bien particulière au niveau d'un bruit ou d'un son, mais au niveau de la réaction d'un appareil. Une fois qu'on sera à l'étage, je vais vous expliquer, on me demande la femme au chignon, ce qu'il en est, je vais vous expliquer son historique. C'est important. Vous voyez que ça ne s'appelle pas le GSM, hein, parce que ça s'arrête. Voilà. Est-ce que c'est vous, Charles, qui jouez du piano? Si c'est vous, Charles, est-ce que vous pouvez aller dans le groupe, s'il vous plaît? Au niveau électromagnétique, il va chercher un mot. Il paraît, non. Il va chercher un mot qui correspond à ce qu'elle veut dire. C'est comme une Ouija, mais c'est magnifique. D'accord. Tu as le message. Vous pouvez aller dans le groupe? Oh, je sais. Quand je crois ici, je suis là. Est-ce que c'est Charles? Si c'est Charles, arrêtez de faire bouger le cadeau, s'il vous plaît. Si c'est Charles, arrêtez de faire bouger le cadeau. Voilà. Très bien. Donc ce sera Charles qui sera assis sur cette chaise. Si c'est Charles, allez dans le rouge, s'il vous plaît. Maintenant, allez-y. Allez-y. Charles, est-ce que c'est vous qui êtes là? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe autrement? T'as entendu quoi, Michel? J'ai entendu un gloup, comme quelqu'un qui avalait une bulle d'air. D'accord. Quelqu'un a avalé une bulle d'air? Non. 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 Non, personne? Non. Je l'ai entendu, hein, clairement, donc je l'ai enregistré. C'est vous que j'ai entendu? Essayez de me parler, je vous entendrai. Là, maintenant, c'est quoi le bruit? Encore? C'est encore? C'est l'appareil photo? Non. Non, j'ai arrêté. T'entends? On marche. On marche. Non, en dessous, l'appartement. Mais c'est au-dessus. Mais c'est dessus, ouais, c'est ça. Non, c'est l'appartement qui est au-dessus. Oui. Hein. Ouais, mais de toute façon, il y a celle de la propriété. La propriété, c'est là-bas. Là-bas. Le chéri, c'est ici dessus. Juste derrière la porte, je me dis, machin, quand tu essaies de me représenter. Le hall d'ici, le hall là, c'est en dessous du hall d'en haut. Ouais, donc c'est eux qui marchent. Donc c'est eux ici qui sont ici. Ouais, c'est eux qui marchent. Ouais. Alors je vous propose peut-être de. On monte. De monter, non? Absolument. Gardez. Je ne sais pas, tu
crois que le GSM dans l'eau... Oui, pas trop proche, non. Mais moi je... Pas moi. J'ai des doutes, mais bon. Oui, ça c'est toi, hein, tu vois. Ah, oui, oui, ça c'est... c'est toi. Alors, la dame au chignon. Avant de monter, juste pour vous expliquer, on a parlé de la dame au chignon. La dame au chignon, en fait, Jérémy, le propriétaire, nous explique qu'au début qu'il était ici au château. Donc ce qui lui est arrivé, c'est donc une nuit, il se réveille et apparaît à plus ou moins, je vais noter cette distance. Donc ça a débuté par une petite lumière blanche qui s'est transformée en visage. Ce sont ses dires, hein. Donc je ne pense pas que ce soit commercial. Ça l'a marqué, il a dit, il a été traumatisé par ce qu'il a vu. Donc cette anomalie blanche s'est transformée en visage, le visage d'une femme qui s'est, au fur et à mesure qu'elle s'approchait de son visage, donc il a pu distinguer tous les traits de cette dame, les traits du visage, une coiffure assez ancienne, avec des pommettes très blanches, et surtout ce qui l'a marqué, c'est les pommettes blanches de ce visage. Donc il était paralysé par la peur, il était bloqué sur son lit. Et en fait, ce qu'il a vu, c'était vraiment les deux yeux, en plus des pommettes, mais les deux yeux qui l'ont fixé. Les deux yeux se sont abaissés sur son visage pour remonter ensuite et faire le chemin inverse. Donc revenir en arrière à une quarantaine de centimètres et puis disparaître. Ce que lui a vu à un moment donné, la seule chose qu'il a pu faire, c'est au moment où le visage... recul, c'est de faire un mouvement avec la tête pour voir s'il y avait quelque chose derrière le visage. Et c'est là qu'il a vu le chignon noir de cette apparition. Et c'est la dame au chignon. Cette dame au chignon, elle est également apparue à la fenêtre, d'après d'autres enquêteurs. Elle est apparue à la fenêtre donc du deuxième étage du château. Bon, il y a de multiples fenêtres, mais c'est pour vous dire que cette dame au chignon est apparue en plus de l'apparition face à Jérémy. Donc, voilà. Quelle en est l'explication? Lui nous dit que, de toute façon, pratiquement toutes les nuits, il a une anomalie lumineuse dans sa chambre, soit de couleur blanche ou bleue, qui apparaît au moment où il va s'endormir. J'ai également discuté avec la propriétaire. Donc, c'est une dame qui ne parle pas le français, qui est là depuis 20 ans. C'est la propriétaire, c'est la baronne du château, qui me raconte qu'elle, généralement, elle ne se balade pas comme nous, elle ne va pas voir au chemin de garde tous les deux jours, mais dans ses appartements, elle a des apparitions au niveau paranormal. Généralement, au moins, elle doit s'endormir. Voilà, c'est au coucher que ça se passe. Donc, ce sont simplement des témoignages que je vous donne qui peuvent apporter un peu plus de crédit et qui peuvent apporter des informations pour les deux enquêtes qu'on va mener. Donc, voilà. On va aller à l'étage maintenant. Ça va, Manu ? Oui. J'ai fait des enregistrements, Raphaël. C'est ça ce que j'entendais, les voix. Tu as fait des enregistrements avec... Non. Non, non, t'as rien, c'est pas moi. Rien à voir. Ouais. Pas moi, chaud. Ah. Donc, parlez. Ah. Coup sec. Passerelle. Rotation. Donc maintenant, il faut faire le lien entre tout ce qui est donné comme information. Oui. Forteresse. Ouf. Enfant. Il y aura un enfant. Arabie Saoudite. Il va pas trop. Non, si on a quelqu'un qui veut rigoler avec nous. 48 ans. Bertrand. Il n'avait pas fonctionné jusqu'à présent. Non, c'est quand on est arrivé ici. Il est au maximum. Non, il est au minimum. Là, il est au minimum. Mais tu l'as mis trop bas. Le tout est de trouver le bon. Il faut l'ajuster. Hein. Donc là, il faut vraiment. Alors, la Spirit Voice, c'est un appareil qui fonctionne, donc il a une base de données, un peu comme un dictionnaire.
Il fonctionne un peu comme un pod, donc en fait, il fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Donc si une éventuelle entité, une énergie, tout ce que vous voulez, tente de communiquer avec nous, au lieu de déclencher une antenne et faire réagir une antenne avec le bruit comme un pod, on suppose que l'entité va chercher un mot dans le dictionnaire pour nous communiquer l'information. Voilà. Donc, il faut jouer avec les informations qui nous tombent et il faut jouer avec la sensibilité de l'appareil. On est perdu au beau milieu d'un bois, on peut mettre la sensibilité au maximum. On est dans une ville, par exemple, dans un endroit bien particulier ou dans une famille, on met la sensibilité au minimum parce que là, il peut y avoir des interférences et ça peut nous induire en erreur. Donc, il faut un petit peu jongler avec ces informations et ne pas croire directement et prendre de l'argent comptant l'information qui est donnée. C'est à l'enquêteur de trouver le juste milieu et d'avoir la bonne interprétation. Oui. Voilà, j'ai assez parlé, on va monter. Sinon, on va y aller, je parle trop. Je ne se permettrai pas, cher. Dans la salle de musique ne viennent pas des propriétaires. On vient de monter, on vient de se rendre compte qu'en fait, il y a plus de distance entre ce qu'on a entendu et la chambre des propriétaires. Donc les bruits de pas qu'on a entendus quand Michel a posé les questions, voilà, ils étaient bizarres. Ils étaient bizarres. On se dirige ici, donc vous avez un couloir de chambre. Au bout de cette porte que vous voyez au fond, sur la droite se trouvent les appartements des propriétaires. Donc on va faire moins de bruit, évidemment. On va tourner sur la gauche, on va passer devant nos chambres et on va vers le chemin de garde. Exemple, ça c'est la chambre de Michel et d'Éric. Les nôtres sont un peu plus spartiates, on va dire. Je vais vous montrer la mienne, surtout pour Tchétina. Je vous explique. Là, on va vers le chemin de garde. On a accès direct au fameux chemin de Lucie. Je vous montre ma chambre. Bon. Il y a le matériel qu'on a dû déballer, donc désolé. Mais c'est assez cosy, c'est assez mignon.
l'huile parce que ça vaut le coup. On a un lit qui tangue. Donc, moi je vais dormir ici. Il y aura une caméra. Une caméra qui va être braquée, évidemment. Pas spécialement sur moi, mais dans la chambre. Comme vous pouvez le constater, je risque de me retrouver dans le trou. Ça, c'est pour le fun. Quel clown. Mais je crois qu'on va pas dormir des masses. Donc, la caméra, elle va être braquée sur la chambre, mais également sur le chemin de garde qui se trouve juste dans l'axe de la porte de la chambre. Donc, ouais, ça promet. On y va parce que c'est le plus intéressant. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Ça, c'est la poussière. Ouais. Je vous préviens, il y aura des coupures. Hein. Donc, la preuve, il vient d'y en avoir. Ça va bien. Et comme à chaque fois, la loi de la vexation universelle, c'est quand il y a une coupure qu'il se passe quelque chose. C'est pas du buzz. On vient de voir une ombre. Enfin, Michel vient de filmer. Enfin, vient de voir. D'un mur à l'autre. Ça fout. T'es revenu. Tu veux passer? Vas-y. Je me fais toute petite. Oui, il n'y a que 23 ça. Mais tard. C'est pas possible que quelqu'un passant là. Non. C'est pas possible que je l'ai vu là-bas. Non, c'est là. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vraiment, tu vois la deuxième poutre du fond. Ouais. Eh ben, j'ai vu passer du mur de gauche vers le mur de droite. On te croit quand tu dis ça. On te croit. Écoute. La caméra de chasse, elle se déclenche que s'il y a quelque chose dans son objectif. Donc s'il n'y a rien... Elle a dû le voir, si je l'ai vu. Mais si elle a eu quelque chose, elle l'aura enregistré. Donc on a une caméra de chasse qui est braquée sur le chemin de ronde. La caméra de chasse se déclenche que lorsque quelque chose passe dans son objectif. Et elle fonctionne en infrarouge. Allez. Caméra de chasse. Il va passer quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. Trois conditions pour l'ancien propriétaire pour que Lucie apparaisse. Un, minuit. Au son des 12 coups de la cloche de Vos, son qu'on a fait comme bus DX d'ailleurs, on a enregistré le son qu'on va faire aller avec le deuxième smartphone. Et un geste de lumière qui éclaire légèrement le chemin de garde, ce qu'on va faire aussi. Donc on va essayer de réunir les trois... Faites passer, s'il vous plaît. Alors je précise qu'on ne voit pas vos commentaires parce qu'on n'est pas sur le GSM habituel. Donc voilà, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Manu, attends, je vais aller mettre l'enregistreur numérique que je fais fonctionner. Je vais aller le mettre là-bas. Oui. On est parti. D'un mur à l'autre. Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Je ne l'ai pas vu parce que tu venais juste de le mettre. Mais c'est... apparemment, mais on essaye. Oh, ça me traumatise. C'est rien, ça. C'est pas grave. C'est possible que quelqu'un soit pas... Non. Il faut qu'on fasse le test. Il faut qu'on fasse le test. Il n'y avait pas de lumière. Tu veux que je fasse que je... Oui, si tu veux bien. Donc mettez-vous dans les conditions où vous étiez. D'un mur à l'autre. Tu passes de ce côté-là à ce côté-là. D'accord. Attends, je pète. Attends contre le mur, vous voulez? Je le mets contre le mur. Oui. T'es passé? Oui. Non, je sais pas ça. Je suis certaine. C'est pas ça, j'ai vu. Non, c'est pas ça. Je suis certaine de ce que j'ai vu. Oh purée, dis. Donc ça ne vient pas de l'arrière. Oh, je suis sûre de ce que j'ai vu. Bah oui, je te crois. Dommage que... Oh, purée, c'est pas possible. Oh, Michel. Bah, tu vas le revoir, te reste pas, Michel. On reviendra. Oh, Michel, c'est pas vrai. Je te jure. Je l'ai vu sortir du mur et je l'ai vu rentrer dans l'autre mur. Ah, je te crois. Ce qu'on va faire, les filles, complètement noir. Hein? Ce que je vous propose. On descend, on va au guéridon maintenant. Ok. Oui. On descend au guéridon. Il n'est pas court minuit. Non, non, justement. Okay. On va descendre au guéridon. Je vais tenir l'heure. Okay. Vous faites on va tenter le guéridon. Oui. Okay. On va essayer de tenir le guéridon jusqu'à minuit moins 5. Et ça nous laisse le temps de remonter. Et on va tenter le coup pour minuit. Ok. Okay, on fait ça. Il reviendra avec minuit avec l'appareil ici. Ouais. Sinon, tu veux bien se remettre. J'ai compris ce que j'ai vu. Non, mais on commencera, mais je passe. C'est quoi qui bip? Non, enfin, c'est chaud. Pour info, tous mes collègues dorment ici et moi je dors dans le couloir des braves, là-bas, beaucoup plus loin. Voilà, non pas là, ici, voilà. C'est moi qui ai la chambre la plus rangée de toute l'équipe. Voilà. C'est la chambre d'Alex. T'as expliqué que c'était ta chambre? Oui. Et que c'était la plus rangée de toute l'équipe. Ça, c'est le commentaire. Non, c'est moi qui dis. Je vois pas les commentaires. C'est vrai. On va faire aussi une séance de spirit box en bas. On va tenter, puisque
Les autres équipes ont eu des interactions en bas, donc on va tenter le guéridon, la Ouija peut-être pas maintenant parce que c'est un peu tôt. On va attendre minuit, Spirit Box, guéridon, pour revenir ici au château de gare, au chemin de gare. Il risque d'y avoir une coupure ici dans les escaliers, donc on se retrouve après la coupure s'il y en a. Évidemment, c'est la baronne de Vaux, c'est pas de Vaux, mais c'est la propriétaire. À titre informatif, David Bowie est venu dormir une nuit dans le château. Voilà, c'est David Bowie, qui était un ami de la propriétaire. Voilà, c'est bon. J'ai prévenu. Ouais. Par contre, ce que je vais faire aussi ici dans le couloir, c'est couper l'électricité et se mettre dans le noir. Parce que les bruits de pas, en fait, je crois que c'est Jordan Périgaud, qui est un enquêteur français connu. Jordan Périgaud a eu des bruits de pas également dans ce couloir, près de l'armure que vous voyez sur la droite. Donc, je vais les couper. Je vais le faire. Ok. C'est quelque part ici. Charles, est-ce que vous êtes encore présent avec nous dans ces murs, s'il vous plaît? Si oui, vous pouvez vous manifester ou parler à l'aide de cet appareil, ou du moins communiquer à l'aide de cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous vous manifester ou donner simplement votre nom?
Ça va? Le guéridon, en fait, s'est envolé. Ça va, les filles? Michel, Manu, ça va? Par ce guéridon, merci de faire un coup pour lui et deux coups pour lui. Allez-y, allez-y. Ça vibre, tu sens? Allez, allez, nous vous sentons, vous êtes là. Allez-y, un coup pour lui, deux coups pour nous. Allez-y. Prenez les énergies. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, est-ce que nous parlons avec une femme, s'il vous plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Non. Nous parlons donc avec un homme. Est-ce correct? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes une entité de ce château, s'il vous plaît? Merci de nous avoir rejoints, en tout cas. Est-ce que c'est vous que j'ai eu tout à l'heure avec la dame? Ok, vous êtes un ancien propriétaire de cette maison. Ok. Merci, merci. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Autant de coups, autant de lettres. Allez-y. Quelle est la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Autant de coups. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J? Ou K? Est-ce que c'est K? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est K? Est-ce que c'est J, s'il vous plaît? Oui. Donc c'est J. Est-ce que vous pouvez me donner la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Autant de coups, autant de lettres. Allez-y. Je. Est-ce que vous pouvez nous donner la troisième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y. B, C, D, E, F, G, H, G, G, H, I, G, H, I, H. Attends. Est-ce que c'est bien H, la troisième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Oui. La quatrième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y. A. Je vois. Allez-y. Attends, je crois que je sais. Ok. Donnez-nous la lettre suivante de votre prénom, s'il vous plaît. Ah non,
C'est pas ce que je croyais. Je vais. J-E-H-A-H. Non, J-E-H-A-I. Est-ce que c'est je hais? Je vais vous poser une question. Est-ce que le tapis vous dérange? Oui. Bon, attendez. On s'enlève deux secondes. On se bouge deux secondes. Pour le tapis. Attends, et on attends. Retire le tapis. Parce qu'il faut que j'enlève ça aussi. Voilà. C'est plus facile pour vous. Ouf, oui. Ah, nettement mieux. Oui. Alors, n'allez pas trop près de l'appareil ou sinon il va sonner. Hein. Oui, et restez un d'accord, petit peu... restez près de nous. Oui, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Il s'est bougé, t'as vu. Bon, nous n'avons pas compris. Hein. Ah non, 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 encore mes genoux. Encore. Tu sens Riquet qui veut aller vers, vers Manu. Restez près de nous, s'il vous plaît. Restez près de moi. Revenez un peu près de moi. C'est difficile, en fait, pour nous d'être si loin. Vous voulez bien revenir un peu près de nous? Qui est avec nous, s'il vous plaît? Allez-y. Première lettre de votre nom, s'il vous plaît. Donnez-nous. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, L. Donc la première lettre de votre nom est L. C'est correct? D'accord. La deuxième lettre de votre nom, s'il vous plaît. Allez-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I. L-U? Quoi? Non, Regarde, ça bouge. Tu crois? Oui. Allez, L-U, d'accord. Est-ce que vous voulez bien nous donner la troisième lettre? A, B. Ça, c'était quoi? Attends, moi j'ai peur d'autre chose. Mm-hmm. Attends. Moi aussi. Mais il est trop calme. Hein. Oui. Mais regarde, ça bouge fort, là. Oui. Il y a quelque chose ici. Où ça change? C'est pas... C'est un homme. Ben attends, oui, il y a peut-être attends. Quelqu'un d'autre qui est venu. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. J'ai un frisson. Oui, ben il y a quelque chose ici. Est-ce que vous voulez bien nous donner la quatrième lettre de votre nom? C, D, E, F, G, H, I. Est-ce que vous voulez bien nous donner la lettre suivante, s'il vous plaît? A, B, C, D, E. Lucie? Lucie, est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Waouh, il est parfois. Waouh! Lucie, est-ce que vous viendrez à minuit dans le chemin de ronde, s'il vous plaît? Est-ce que vous viendrez? Tout petit oui. C'est même pas répondu. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas reposé. Elle n'a pas reposé. Elle n'est pas reposée. Non. Vous ne savez pas? Vous viendrez nous voir quand même, Lucie. Vous viendrez nous voir, Lucie? Nous sommes venus vous voir de loin. Vous viendrez nous voir? Je vous autorise à aller dans mes énergies, Lucie, si vous en avez besoin. Je vous sens. Hein. Oui, bah. Regarde encore. J'ai mes cheveux qui. Je suis pas dans ma tête. C'est vous qui touchez mes cheveux? Lucie, c'est vous qui touchez mes cheveux? Merci, Lucie, déposez-vous.
Merci en tout cas de nous rejoindre. Lucie, quel âge aviez-vous quand vous êtes décédée? Quel âge aviez-vous? Autant de coups, autant de chiffres de... Non? Non? Pourquoi vous ne voulez pas nous le dire? Ça va pas chez moi, ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous êtes proche de Manu? Pourquoi vous êtes proche de Manu? Parce que je lui ai dit d'aller dans mes énergies. Vous aimez sa lumière? Et si je vous dis de venir aussi dans ma lumière, Lucie, vous pouvez venir près de moi? Vous voulez pas venir près de moi? Pourquoi vous ne voulez pas venir près de moi? Vous n'aimez pas ma lumière? Lucie, est-ce que quelqu'un vous dérange à la table? Qui vous dérange? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que Michel vous dérange? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que Michel vous dérange? Allez-y, répondez-moi. Vous êtes partie, Lucie? Est-ce qu'Éric vous dérange? Elle tient un pied en l'air. Oui. Il y a un pied en l'air, je le sens. Éric vous dérange? A pas l'air. Non. Est-ce que Manu vous dérange? Elle a un pied en l'air. Mais elle a un pied en l'air. Oui, monsieur, elle a un pied en l'air. Revenez au milieu. Lucie, s'il vous plaît, revenez près de moi. Allez, venez. Parce que c'est tu difficile. Oui, je vais tirer. Je vais tirer parce que j'ai mal au dos. Lucie, excusez-moi, hein, mais ça me fait mal au dos. Vous aimez bien l'énergie de Manu. Où est-ce que vous allez? Ah, ouh, j'ai dit qu'elle va passer. Waouh là! Attends, attendez, parce que vous avez cassé le truc. Où est-ce que vous voulez aller? Hein? Vous voulez aller où? Le pote va sonner, hein? Hein? Vous voulez aller là? Pourquoi vous voulez aller là? Elle a arrêté de vibrer matériel. Vous avez... Vous... Elle est là. Ouais. C'est vous qui faites fonctionner le K2, l'appareil là? C'est vous? C'est le GSM? Le GSM, oui. Oh, d'accord. Donc, c'est pas vous. Lucie, vous voulez bien me dire à quel âge vous êtes décédée? Allez-y. Autant de coups, autant de chiffres. Pourquoi elle me dit toujours deux? Elle dit quelque chose, je ne sais pas. Elle te dit non, elle ne veut pas te le dire. Vous ne voulez pas me le dire? Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? D'accord. On vous le demande trop souvent, Lucie. D'accord. Lucie, nous sommes là vraiment dans la bienveillance, hein, avec amour. Hein? Ben, elle avait 18 ans, non? C'est pas ça qu'on nous a dit. Oui. Merci. Est-ce que c'est la vraie Lucie? Est-ce que c'est la vraie Lucie qui est avec nous? Ça bouge, hein, c'est pas nous, hein. Elle a un pied en l'air. Hein? Elle a toujours un pied. Ok, prenez mon énergie si vous voulez. Voilà. Lucie, est-ce que vous êtes déjà parue sur le chemin de garde? Oui. Donc c'est bien vous. C'est bien vous, hein. Merci. Est-ce que vous pourriez apparaître aujourd'hui, à minuit, sur le chemin de ronde, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Allez, Lucie, faites-nous ce plaisir. Allez-y. Allez. Lucie, est-ce que vous voulez bien apparaître sur le chemin de ronde?
Vous êtes toujours là, Lucie? Comment clé? Vous connaissez la dame au chignon? C'est oui. Quelqu'un de votre époque? Non. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce qu'elle est bienveillante? Elle est ici avec vous aujourd'hui? Est-ce que nous allons la voir? Je ne veux pas répondre à ça. Lucie, est-ce que vous allez nous faire une surprise? Répondez-nous. Vous allez nous faire une surprise? Répondez-moi, s'il vous plaît. Allez. Vous voulez pas me faire... Non, on se voit demain, alors, Lucie. Elle veut pas te répondre, chef. On se voit demain sur le chemin de ronde, alors? Lucie, on se voit demain? Sur le chemin de ronde. Après, on s'en va, hein. Pas aujourd'hui, demain. Lucie, est-ce que c'est un soldat que j'ai vu passer dans le chemin de ronde? Est-ce que vous savez? Non. Non? Est-ce que j'ai eu une hallucination? C'était bien un homme quand même. Donc ce n'était pas un soldat. Est-ce que c'est un seigneur? C'est quelqu'un de votre époque? Quelqu'un qui vous a fait du mal? Vous avez peur de lui? Est-ce qu'il vous a abandonné? Est-ce que c'était votre tortionnaire? Vous êtes fatiguée, Lucie? Nos questions vous dérangent? Oui. Non, non, sinon, non, ça, tout petit non. C'est plutôt un oui. Oui, à la fois. C'était bien, un oui. C'était bien un oui. Non, non, c'était pas vrai. Excusez-moi. C'était un petit oui alors. Est-ce que c'était le baron qu'on demandait? Est-ce que c'était le baron? Est-ce que c'était le baron que j'ai vu passer, votre tortionnaire? Vous voulez nous montrer quelque chose, Lucie? Montrez-nous. Allez-y. Déplacez-vous. Attendez, on va. Ah bon, ça, c'est en face. Allez, allez-y, montrez-nous ce que vous voulez nous montrer. Allez-y. Vous voulez aller voir la fenêtre? Vous voulez voir la fenêtre, Lucie? Voilà ça. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer ici? Attendez, que je regarde autour de moi. Est-ce la chaise. C'est la chaise que vous voulez nous montrer? Est-ce que c'est là qu'il se tenait? La chaise là près de la fenêtre, à ma gauche? Celle-là, près de la fenêtre? Celle-là. Cette chaise-ci, c'est là qu'il se tenait? Il est là maintenant? Il est assis là maintenant? Il nous écoute? Je vais m'asseoir sur la chaise. Il vous fait peur? Je m'assois sur la chaise. Parce que moi, j'ai mal au dos. Merci. Désolée, je ne peux pas comprendre. Ben voilà, Manu est assis sur ses genoux. Est-ce que vous l'aimez, le baron? Lequel? Ben, elle a aimé le seigneur des lieux. Est-ce que vous aimez le baron, Lucie? Oh!
On se calme. Vous, répondez-moi doucement. Vous aimez le baron? Vous aimez celui qui est parti à la guerre? Oui. Il est là avec vous maintenant? Il vit avec vous? Non. Il est passé? Il est parti à la lumière? Top choice. Ou un petit, on ne sait pas. Est-ce que vous voulez regarder par la fenêtre, Lucie? Est-ce que vous voulez regarder par la fenêtre? Est-ce que vous aimez les jardins? Est-ce que c'est ça que vous voulez montrer? Vous avez raison, hein, c'est très beau. Vous vous asseyez là dehors? Sur les marches? Lucie, il est tard. Vous voulez bien regagner la tour? Nous allons venir vous voir à la tour. Vous voulez? Oui? Tu poses trop de questions. Elle a répondu à quoi? Bah, voilà. Vous voulez bien retourner à la tour? Est-ce que nous allons vous voir? Oui, oui. C'est un petit oui, ça, Lucie. Si on ne se voit pas aujourd'hui, on se voit demain, alors. La voix qui craque. Oui. J'ai mal au dos, Lucie. Mets-toi ici. Mets-toi à la place. Voilà, Michel. Tiens. Voilà. Merci. On est un peu coincé, là, Lucie. On va reculer un petit peu, hein. Mais pas comme ça, Lucie. Bougez les pieds, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Pour tout le monde, pour vous, c'est plus facile comme ça, oui. Lucie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? Est-ce que c'est un homme, s'il vous plaît? Non. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Reste assise, Michel. Oui. Reste assise. On va analyser. C'est un enfant que vous avez connu quand vous étiez vivant. Répondez-nous, s'il vous plaît. C'est un enfant qui vivait ici après vous. Et j'ai bourculé. Ouais. C'est de l'amour, ça, Lucie, hein? Ah ouais, c'est de l'amour. Est-ce que cet enfant est mort de maladie? Non. Oui. Est-ce que cet enfant... Prends ta chaise. Est-ce que cet enfant, qu'est-ce qu'il peut être? Quel âge avait l'enfant? Autant de coups? Autant de chiffres. En année ou en mois? En année. Quel âge avait-il en année? Vous êtes partie, Lucie. Quel âge avait-il en mois? Quatre mois. C'est bien ça, Lucie. Il avait 4 mois. Et il n'est pas mort de maladie. On fait une suite. Lucie, vous avez eu un enfant. Il est mort de faim. A-t-il fait une mort subite? A-t-on tué cet enfant?
C'est le baron qui l'a tué? Est-ce que c'est la femme du baron qui l'a tué? Ou qui l'a fait tuer? Dites-moi. Oh, ça bouge. Hein? Fâché. Ok, ça va d'accord. D'accord. On a compris. Ça va, nous comprenons votre colère. Nous comprenons votre colère. Nous sommes avec vous. Hein. Lucie, vous acceptez d'aller où? D'aller dans votre chambre et de passer dans le chemin de ronde, s'il vous plaît. Oui, vous acceptez? Donc on va vous laisser. On va vous laisser, on vous rejoint là-bas. Oui. On se revoit demain, de toute façon. Vous reviendrez demain. Je vous autorise à aller dans mon énergie. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est la bras, oui. Je vous le dis aussi. Elle est en colère. Oui, mais en même temps, elle va dans mon énergie quand elle est là. Et ne prenez pas cette énergie pour la colère, juste pour vous exprimer. Juste pour vous exprimer. Pas pour prendre la colère. D'accord. Voilà. Calmez-vous. Soyez sereine. Nous vous comprenons. Hein. Oh. Nous sommes vraiment en empathie avec vous. D'accord. Alors, je mets fin à cette séance de guéridon et je demande. Non, je mets fin à cette séance de guéridon. Elle a dit oui. Merci. Et je demande aux entités, aux esprits qui se seraient approchés de bien vouloir regagner leur plan d'existence d'origine, de ne pas nous suivre, de ne pas nous faire de mal et de ne pas s'attacher à nous, s'il vous plaît. Merci. T'as vu que ça bouge tout seul? C'est impressionnant. Vas-y, tu saurais le faire bouger, toi? Non, en laissant faire... En le faisant se déplacer, en faisant aller sur... Mais ça veut dire que... Tu dois forcer. Oui, il ouais. Faut que je pousse, quoi. Oui, tu ne poussais pas, là. Moi, je ne poussais pas. Ben j'avais juste mes mains. C'est nos mains qui sont posées, tout à fait. On a juste les doigts posés. Et la formation, on a même lâché, là, que ça tenait encore... Elle était penchée. Oui, que j'ai juste en dernier à retirer. Elle tombait parce qu'elle perd. On s'est vérifié si c'est vrai, l'histoire du gamin. J'étais pas là, j'ai pas tout suivi. Donc. Parce qu'elle aurait eu un petit de 4 mois. C'est la femme du baron qui l'aurait fait tuer. Parce que c'est pas un enfant qui est mort naturellement, apparemment, ça c'est. Il n'est pas mort de maladie, tu vois. Il n'est pas mort de mort subie. Et donc, la femme du baron l'aurait fait tuer d'après ce qu'elle dit. Lucie, il y a un truc blanc qui vient de passer juste devant la vitre ici, là, deuxième, là, ici. Honnêtement, là, ici, là, il y a un truc blanc qui vient de passer. Alors, on montrait pas les gars. Ouais, dans un cadre. Lucie, c'est quelle époque? On va vérifier. De toute façon, demain. On a fait une portion. On approche de minuit, on va monter au chemin de garde. Joël, tu as vu? Le petit guéridon, il s'est cassé la figure. Il y a le troisième guéridon. Il y a quoi? Le troisième guéridon. Moi, j'avais dépassé ce guéridon-là, parce qu'il était à côté du nôtre. Oui. Il y en a un autre derrière qui ne gênait pas, et puis lui, il est tombé quand on a commencé. Il y a un gros poids dessus, tu vois. Il y a un gros poids dessus. Il est tombé. Il est tombé. Ah, c'est ça, c'est le bruit qu'on a entendu. C'est ça le bruit, parce que moi, j'ai arrêté la spirit box. Donc, le bruit qu'on a entendu et lequel j'ai arrêté la spirit box, donc vous voyez là-bas, enfin, je ne sais pas si vous l'avez, si on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a un poids sur la table, et c'est ce poids-là qui est tombé en fait. Ça fait au moins 3 kilos. Ah oui. Au moins. Ok. Donc très particulière, une séance de guéridon assez chaude. J'ai froid. En tout cas dans la teneur des informations. Donc il faut vérifier, je ne sais plus de tête, honnêtement, l'année du...
sur lesquels Lucie s'est, a été, s'est suicidée, en fait, s'est jetée de la tour, morte de faim et de soif, où elle s'est laissée aller au désespoir. Et puisque la baronne m'a raconté la vraie histoire de Lucie, qui n'est pas tout à fait la même que ce qu'on entend habituellement. Donc effectivement, elle s'est laissée mourir de faim et de soif, mais elle s'est jetée de la tour. Donc elle n'a pas été emmurée, etc. Donc elle s'est jetée de la tour. Il y a juste le siècle qui m'échappe là pour le moment. J'ai trop d'informations à gérer un petit peu pour le moment. Donc on va monter maintenant. Je vais juste prendre un haut-parleur pour pouvoir gérer le son de la cloche de Vos qu'on a mis sur une sonnerie GSM. Et on va aller sur le chemin de garde. Elle a bien confirmé que Michel avait bien vu un homme dans le... Ouais, donc ça c'est important. Donc elle a bien confirmé et elle en a peur. Oui. Elle a peur de cette ombre noire, donc de cet homme. Qui serait un baron? Non, apparemment, c'est pas le baron. C'est pas le baron. Non, parce qu'elle dit qu'elle est amoureuse du baron. Donc elle n'aurait pas peur. Et le baron, il est passé. Parce que je lui ai demandé. D'accord. Il était passé. Donc le baron n'est pas... C'est pas lui qui lui fait peur. Voilà, c'est pas lui qui lui fait peur. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, ok, on va monter. Beaucoup d'informations. Comme à chaque fois qu'on va passer d'un étage à l'autre, vous allez avoir des coupures. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Une fois la reconnexion effectuée, vous allez retrouver le live. Donc, mais désolé pour la pixelisation. On fait tout pour que vous puissiez en profiter. Et ça comporte des inconvénients. Et ces coupures font partie des inconvénients. On va au chemin de garde. J'ai une question. Si tu sais voir dans l'historique les mots qui ont été prononcés, ou c'est perdu? Les trois derniers, non, je crois que... Donc il y avait enfant, il y avait parc, enfant, parc. Chaque forteresse. Oui. Il y avait Arabie Saoudite, mais ouais, ça c'est... Nous a, ouais. Et Bertrand. Et donc est-ce que le Bertrand, c'est... Enfin, j'y ai pas pensé, mais on aurait dû demander est-ce que c'était le Bertrand qui... Est-ce que c'est le Bertrand, oui. Ouais. Juste, oui, bonne question, hein, tout à fait. C'est bon. Je ne sais pas si on a accès, en fait, aux... Les trois derniers, oui. Les autres... Ouais. Je ne pense pas. Je pense que demain... On va teaser les informations. Ouais, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai? Moi, je regarde ça, je caille. Je ne sais pas ce que j'ai froid.
Bon, ben, je suis tout seul. Tout va bien. On fait un petit tour. Hein. Ça, c'est moi. Donc, ça, c'est le chemin de garde. Ça va être encore moi. Ah non. Faudrait pas trop de lumière. Il faut juste un petit point lumineux. Tu veux que je... Attends. Si tu le mettre... Voilà, je vais couper. Je peux t'emprunter ? Oui. Attends, on va le mettre... Il a combien là ? On est trop fort. Il a au minimum. Au minimum. On va faire comment ? Il y en a déjà, le mien est déjà là-bas. Le mien, il fonctionne déjà. D'accord. Je le mets ici. Il est trop conditions parce que je crois que Natacha m'a dit qu'on n'avait pas entendu, il y a une coupure. Et 5 minutes. Ouais, ok, je suis prêt. Alors, je rappelle, les trois conditions d'après l'ancien propriétaire du château pour pouvoir visualiser Lucie. Alors, premièrement, évidemment, à minuit, ne plus faire de bruit. Deuxièmement, elle apparaîtrait au terme des 12 coups de minuit de la cloche de Vos. Et il faut qu'il y ait un jeu de lumière qui soit axé sur le chemin de garde. Ce jeu de lumière peut être un projecteur ou un phare qui généralement se trouve à l'extérieur du château. Ici, on va le mettre en position minimum, plus ou moins au milieu du chemin de garde. Voilà, on va tenter l'expérience. Ce sont les trois conditions. Les 12 coups de cloche de la cloche de Vos, minuit, pas de bruit, jeu de lumière. Autres spirit expérience, ils ont vu l'ectoplasme, il n'y avait pas de lumière. Mm-hmm. Donc je propose que dans un premier temps on laisse le spot, mm-hmm. ensuite s'il ne se passe rien on l'enlève et on reste en veille en fait. Ça va, il reste 4 minutes. N'oublie pas, je dois faire des photos aussi. Ouais, je vais le mettre ici. Ouais, laisse-toi, c'est parfait ça.
reste deux petites minutes. Une minute. Lucie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On vous attend avec impatience. Allez, venez. Allez. Et faites-nous ce plaisir. On sait que vous êtes là. Juste une seconde. Montrez-vous. Montrez-vous, montrez votre lumière. En mémoire de l'enfant. C'est montré avec la lumière, il faut passer. Tu veux que je l'éteigne? Oui. Lucie, si vous êtes là, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Touchez le pote si vous ne voulez pas vous montrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Lucie qui est là?
Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? C'est un courant d'air, puis qu'elles font ça. Tu sais, un courant d'air? Puis qu'elles font ça. Ici, je ne sens rien. Pas plus que tout à l'heure. Parlez plus fort, les filles. On a du froid qui vient du fond vers nous. Je te dis, dès qu'elles font ça. Dès qu'elles ont commencé. Tu ressens-tu aussi? Oui. Ouais. Encore le vent. Oui, ça passe. Ça passe le... Maintenant, ça pète le vent. Hein. Oui. Ouais. Bertrand, Lucie. Vous le connaissez?
Toujours rien. Alors ça ne se fait pas sur commande, évidemment, donc. Dans mon énergie, je l'ai senti. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, évidemment, on peut rester ici pendant des heures en espérant voir quelque chose. Dans mon énergie, je vacille. Donc, Manu ressent évidemment quelque chose. Manu à la tourniole, ça tourne. Vous voulez qu'on fasse l'atelier, pas l'atelier Lego. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'on fait la Ouija aujourd'hui ou pas? Ah, est-ce oui, que vous voulez aller? Oui, on ne tracasse pas. Oui. Oui. Vous êtes encore fit? Oui, oui, oui. Alors, ça va, tu as pas de mal? Non, il va se calmer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut être à divers endroits pour pouvoir constater, voir si les appareils ont réagi dans les autres pièces. Donc ce qu'on va faire maintenant, pour ceux qui restent encore tardivement avec nous, qui ne sont pas endormis, on va aller faire une séance de Ouija pour essayer d'obtenir des informations par rapport à ce qui a été dit dans le guéridon. Comment? J'ai mes gens qui tricotent là, tu vois. Ouais, t'es bizarre, Manu. Ben, je viens de donner beaucoup d'énergie là. Mais justement, est-ce que t'as assez fit pour faire la Ouija? Ouais, ça revient. Wow. Il y a... moi je ne ressens rien. Je ne ressens même pas de courant d'air. Non, les filles ressentent un courant d'air. Bon, évidemment, on est ici entre deux tours et une tour a été détruite derrière. Donc, il se peut qu'il y ait des courants d'air. Maintenant, Eric, le mari de Michel, disait que quand elles ont commencé, Manu et Michel, à se tenir, donc il a ressenti évidemment... Les courants d'air ont commencé à ce moment-là. Alors, c'est pas moi, hein. Est-ce qu'il y a un lien cause à effet? Je ne sais pas. Mais ça a commencé à ce moment-là. Donc ça, c'est curieux. Maintenant, Manu est quand même assez bizarre. Oui. Tu n'as jamais vu comme ça? Moi non plus.
t'ai jamais vu comme ça. Donc, voilà, comme j'ai dit, on peut rester pendant des heures ici. On aura peut-être un résultat dans 2 ou 3 heures, ce qui n'est pas le but. On va aller faire la Ouija donc, pour avoir et obtenir des informations. Le courant d'air vient passer. Oh, elle vient passer. Eric le dit depuis tout à l'heure. Ouais. Oh, je ne ressens rien. Je ne ressens rien du tout. Oh, tu rigoles, dis. Non, je ne ressens rien. Je le dirai. C'est un courant d'air qui commence par en bas. Oui. Qui commence par en bas. Oh, j'ai un frisson. Ok. Michel, j'ai des gens qui balancent tout le son, c'est pas possible. On dirait que Manu va tomber. Oui, mais ça, le temps que je monte les escaliers, mais... Et c'est depuis le guéridon, elle était comme ça, je te signale. C'est depuis là. Et le guéridon aussi, hein. Oui, je sais pas. Il va falloir prendre tout ce qu'il y a là, parce que... Oui, mais on vient la chercher, c'est pas grave. Le matos, on vient la chercher après. Oui, je l'ai là. C'est les gens qui vont... On va aller faire la Ouija, et puis... Et alors, à mon avis, on clôturera pour l'enquête de ce soir, parce qu'on est on est crevé évidemment, et puis on a tenté quelque chose, en n'étant pas certain d'avoir et d'obtenir des résultats, la preuve. Hein, donc c'est pas sur commande. Donc je crois qu'on obtiendra plus de résultats via la transcommunication. Putain, Manu me tremble. Voilà, elle a arrêté de trembler. Elle a passé la porte. Là où elle était, là. Voilà. Donc Manu tremblait ici et... voilà. On va descendre. Ouais. Sur la caméra de chasse se filme toujours. Parfait. S'il se passe quelque chose. Super. J'analyserai demain. Encore. Ouais, ok. Je sentais, puis il montait. Qui montait. Mais je sentais, et par un coup. Et quand tu as dit j'ai froid, ouais. Je lui ai dit ça venait d'ici. T'as le spot. Tu m'as mis du pain. Il y a une ouverture là. Oui, non, mais c'est pas nous, froid, c'était. Mais c'est bizarre parce que là, l'ouverture, je suis plus dans l'ouverture. Donc normalement, je devrais avoir sur moi. T'en as besoin. Alors, je l'ai pas senti sous mes bras, j'ai senti là. En dessous, donc. Je suis en ligne ici. C'est comme si j'avais plus d'eau dans la bouche. Mais oui, je suis séchée. On a pris de l'énergie. Désolé pour cette déconnexion. C'est un peu la galère pour le réseau. Alex, t'as entendu ? Non. Le toc ici, t'as pas entendu ? Non. Tu es derrière moi. Ah. Tu viens d'avoir le pote qui a sonné, Michel ? Non, elle a eu un toc derrière elle. Tout à l'heure aussi, on a eu ça. Putain, c'est pas possible. Non, je viens. Je suis en train de vaciller. Ouh, à moi, les murs, la terre m'abandonne. Bah non, c'est pas possible. Je vois double. J'y saoule. Ah non, je suis saoule. Je ne tremble plus comme tout à l'heure, mais je suis saoule. Ouh. Donc on a eu les 3 derniers mots, il y avait joli, 48 ans et cher. Voilà, ça c'est les 3. Ça c'est Alex, ça. Avant Bertrand. 48 ans et cher, c'est Alex ou non ? Non, oui, c'est Alex. Cher. Tu veux dire la chanteuse ? Non, tu coûtes cher. Ah. Mais c'est cher, Aïe. Non. Oui.
On va encore trop loin. L'escalier est là. Non. Non. L'escalier est là-bas. L'escalier est là-bas. L'escalier est là-bas. Oui. Les encens, etc., ça les épargne. En sorte que c'est Michel Bézard, on va aller descendre, c'est bon. Je me sens pas vidée. Je sens que j'ai encore de l'énergie, mais. Mais je suis. Je sens qu'on a pompé, hein. Mm-hmm. Je ne fais pas la bouchard sans les trucs. Oui, c'est ce que j'ai dit à Eric. Il est parti chercher. Non, non, il a dit Michel va les apporter. Mm. Tu vois, je te dis, mais alors de quoi j'aime bien. Ils sont encore combien sur le live hein? Je vois 77, mais... Oh, 77 77. C'est bien. 50-27. 50-27. 40. Ouais, il me semble que j'ai vu sur un meuble... C'est moi qui ai ta lampe de poche. C'est celle-là ? Ok. Non, c'est pas celle-là. La petite. Ça, c'est la grosse. J'ai ça. Non, elle est petite. J'ai ça. J'ai un coup dans la nuque. Et tantôt j'ai vu un truc blanc à la fenêtre. C'est pas c'est sérieux, hein, c'est pas une. Oui, mais je crois. J'ai bien vu un mec courir entre les deux murs, moi. Mais il n'y a que moi qui l'ai vu. Malheureusement. Oh là là. Oh, quelle drôle de sensation. C'était pourtant tellement clair, quoi. Oh putain. Et ça, c'est généralement comme ça. On a quelque chose et on ne sait pas leur montrer. Et qu'ils nous croient, en fait. Il faut. La véracité de ce qu'on dit, on vous le raconte, mais... Nous, on n'a pas de raison de raconter la vie. Oui, bien sûr, bien sûr, okay, voilà. Bien sûr. Okay.
À la soupe ton plein gris. On est bientôt prêt, hein, donc. Comme on l'a dit, le but ici, c'est peut-être retrouver Lucie dans cette séance de Ouija et de corroborer les informations qu'elle nous a données avec le guéridon, puisque c'est quand même plus facile d'obtenir des informations via la table qu'avec le guéridon. Donc, maintenant, s'il y a autre chose. Ben oui, je m'attends de ce côté-là, sur ma droite. Oui, hein, toc, hein, il me semble bien. Je l'ai entendu aussi. S'il y a autre chose, s'il y a une autre entité, généralement avec Michel et Manu, il y a toujours d'autres entités qui viennent parce qu'elles sont attirées un peu comme un phare dans la nuit, oui, parce qu'elles ont besoin d'aide. Donc. C'est moi, c'est toi. Ah. C'est moi. Il y a un petit stress positif, un stress positif. C'est Manu qui sait plus où aller. Je vais mettre à un autre endroit. Je vais mettre sur le guéridon. Voilà. Ça peut être sympa. Tu vois, je vais jeter. C'est pas bon. Non, la chic. La chic. Moi. C'est drôle, ça. Je t'ai jamais vu comme ça. J'ai dit qu'on pouvait croire dans mon énergie. Ouais. Ouais. Mais sincèrement, je vois que t'es claqué, hein. Bah, il est non. Ah ouais, mais ça se voit, quoi. Mais en même temps, j'arrive encore à être là. Ouais, ouais, bien sûr, mais je veux dire... Oui, hein, oh. Si tu... Non, un moment, tu le sens plus, tu le dis. Il y a un truc qui est tombé. Non. Ça, quelque part, quand tu connais ta vie bazar... Château vieux. Tant que c'est pas... C'est bien étonnant qu'il n'y ait pas des trucs plus gros qui tombent. Ah. Oui, t'es mouche. Ah, c'est ça. Ouais. En psychope, hein, la fin. Pour finir, on se... Oui, en enfin, psychope. Excusez-moi, j'appelle une petite. À chaque chose bizarre, on. Alors, les amis. Manu n'est pas trop loin. Non, Manu, elle vous dit, ça dépend de quoi tu veux parler. Alors, oui, ici. J'ai ciré ma planche. Ça sent. On voit qu'elle est toute neuve. Voilà, et mon guéridon aussi d'ailleurs. Je les ai cirés pour ne plus. Donc, on ait cette accroche. Regarde, ça le refait. Pourtant, j'ai ciré la goutte aussi. Voilà. Donc on va tenter à faire. Hein. Voilà. Alors. Il y a du bruit. T'as entendu ? On a entendu marcher là. Oui. On vient d'entendre deux pas. Moi. C'est toi, Eric. Ok. Attention. Tu marches assis ? C'est ce que je veux, assis. C'est très fort. On ne bouge plus, on ne fait plus de bruit. Hein. Ok. On se recentre un tout petit peu. Absolument. J'ouvre cette séance au Ouija. Alors j'appelle les entités et esprits positifs de ce château de Vos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alexandre. Oh, c'est bon. D'accord. Nous vous remercions hein, de nous rejoindre. Est-ce que nous parlons avec un homme ? Ah ? Il s'est pressé de communiquer, lui. Ouais. Elle ? B, E, R, T. Nous parlons avec Albert. Oui, merci Albert.
quoi qu'on a eu tantôt? Charles. Sur la Spirit Voice? Non. Bertrand. D'accord. Albert, est-ce que vous avez habité ce château, s'il vous plaît? Oui. Albert, est-ce que vous faites partie des seigneurs du château? Est-ce que vous faites partie du personnel de service? Merci Albert. Albert, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez dans ce château? Quel était votre métier? C'est... Je l'ai entendu dans ma tête. Oui, écuyer. Oui, il dit oui. Je l'ai entendu dans ma tête. Oui, il l'a dit. Je l'ai entendu dans ta tête. Ah oui, je l'ai entendu avant qu'il le dise. Oui, il l'avait déjà dit. Oui, je l'ai entendu. Voilà, j'ai vu les écuries et j'ai entendu écuyer. Nous sommes bien branchés. Oui, oui, oui. Et pas les écuries du roi. Non, non. Vous n'étiez pas dans les écuries du roi? Non. Non. Vous étiez dans les écuries à côté du porche à droite. Enfin, quand vous rentrez, c'est ça? Oui. D'accord. Quel siècle? Est-ce que vous pouvez nous dire de quel siècle, dans quel siècle vous étiez? C'est vrai que nous sommes en France. Waouh, en plus, il retourne. Oui. Bravo, en tout cas. Vous respectez à la perfection le protocole. Albert, est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous êtes ici parce que vous aimez ce château? Vous voyagez entre la lumière et ce château, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc vous allez, vous venez à votre guise. D'accord. Non. Albert, est-ce que vous êtes déjà intervenu dans les autres séances de Ouija que les autres enquêteurs ont fait ici au château? Non. Donc c'est la première fois que vous venez ici à une table de Ouija. Merci. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Bon, merci. Avez-vous un message à nous faire passer? Oui, non, c'est oui, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Ok. Mm-hmm. Quel est ce message, s'il vous plaît? Allez-y. Oh là là, ça fait du bien. P. A. Merci, Alex. J'ai le mot. T. I. E. Oui. Ouais. T'as dit c'est quoi? Patience. Il nous dit de patienter. Pour Lucie. C'est pour Lucie. C'est pour Lucie que vous nous dites de patienter, Albert. Waouh. Ça, c'est un beau message. Hein. Merci. Est-ce que vous savez qu'on ne reste que deux nuits ici à Vos? Oui. Donc pour vous, vous pensez qu'on aura la possibilité de voir apparaître Lucie? C'est oui, c'est ça que vous nous dites?
C'est oui. Ouais, ouais. Merci en tout cas. Espérons en tout cas. On espère. Ou toute autre entité. Hein, oui. Oui, madame Auchignon, oui, qui veut venir nous voir dans notre sommeil. Même dans notre chambre, oui. Pourquoi pas. Albert, de là où vous êtes, est-ce que vous comprenez qu'on est là dans la bienveillance? Est-ce que vous savez qu'on est là dans la bienveillance? Albert, que venez-vous voir quand vous venez au château? Que ou qui venez-vous voir? Ah. Non, merci. Non, ah. Pas si. H. C'est eux qui ont pompé, mais je suis encore là. A-H-E. A-H-E. Attends, non. Attends, A. Attends. Ah si, A-H-E. A-E. 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 C'est peut-être de l'ancien français aussi. Oui, c'est de l'ancien français, ça vous c'est de l'ancien français. A-E. A-E. Ça veut dire quoi, A-E? A-E. Avance. A-E. Non, A-E. Je ne comprends pas hein, ce que veut dire à eux. On va regarder plus tard. Vous venez voir quelqu'un? Vous venez voir une personne en particulier, ici au château? Vous venez voir simplement le château? I. Oh. S. N, il va plus vite. Isonc. C'est quoi ça le... Ah, c'est. I-S. Si. Je comprends. Isaac. Isonc. I-S-N. Non. Venez, revenez au centre, s'il vous plaît. Vous voulez bien nous redire? On n'a pas compris. Pas compris. I. Oui, ok. S. A, Isa. B. E. Isabelle. Oui. Isabelle, mais qui est Isabelle? Attends, on va nous le dire. Hein? Est-ce qu'Isabelle faisait aussi partie du personnel de service? Elle travaillait avec vous? Albert, s'il vous plaît. Est-ce qu'Isabelle travaillait avec vous? Oui. Que faisait-elle? Je l'ai entendu déjà. Moi aussi. Elle était cuisinière. Oui, tout à fait. C'est ça? Elle était cuisinière? Oui. Tu vois, t'as l'impression que ça vient tellement vite que t'as l'impression que c'est toi. Tu vois? Ouais, tu vois? Voilà. Hein? C'est comme ça que ça. J'y reçois. T'as l'impression que c'est toi qui. Qui communique les infos à la goutte. Mais tu les communiques pas? Tu les communiques pas? Ça revient dans ta tête avant. C'est embêtant, hein, ça. Mais tu sais que c'est pas toi. Parce que je suis là sur la même. Elle a l'info, je l'ai aussi. Donc, elle me dit je l'ai déjà, je l'ai aussi, mais je laisse aller la goutte. Mm. Donc, c'est juste. Moi, je me force, je reste neutre, donc je n'ai. Mais ça, ouais. Je pense pas, ça me vient direct. Oui. C'est sa femme. Albert, est-ce que vous êtes seul autour de nous? Y a-t-il d'autres entités autour de nous, à part vous? Oui. Est-ce que vous savez nous dire combien d'entités sont présentes, à part vous, ici autour de nous? Combien? Quatre. Y a-t-il, dans ces quatre entités, une entité négative, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité négative? C'est déjà bien. Non, merci. Merci beaucoup.
C'est déjà une bonne chose, mmh. effectivement. On m'a donné. Est-ce qu'on m'a pris beaucoup d'énergie là-haut, s'il vous plaît? Oui. C'est pas grave. Albert, comment peut-on obtenir des résultats ici au château? En étant patient, c'est ça? Oui. On va parler à l'autre entité. Mmh. Non, c'est le ventre d'Éric. Non. Non? J'ai entendu oui. T'as entendu? Elle est chouette. Elle est chouette. Je l'ai entendu, moi, je viens dehors. C'est la chouette? Je crois. Que t'as entendu qu'il fait oui. Ouais, elle était tantôt dehors. Ok. Oh, nickel. J'ai l'impression que c'était son ventre. Moi aussi, j'ai cru que c'était son ventre. J'ai ravi. Ouais. Alex, il est là. Ah, il est là. Ah, j'ai cru que c'était son ventre aussi. Ah, oui. À moi? Oui. J'ai rien senti. Mais ça venait de là. Ouais, ça venait de là. Vivre, quoi, tu vois. J'ai rien senti. Mais ça venait de là. On a entendu. Comme une voix de femme. Oui. Ou un enfant. Un petit cri comme ça, je ne sais pas comment le caractériser. Ah, oui. Oui. Et ça s'arrête sur le oui. Il regarde. Hein. Vous l'avez entendu, Albert, aussi. Il s'est bloqué. Regarde, je l'ai ciré hein, pour qu'elle glisse. Regarde. Ok. Elle répond oui à quoi? Apparemment, c'était une voix. C'était femme. Bien une voix. Ah, d'accord. Il nous a dit que c'était une voix. Albert, est-ce qu'on peut de nouveau entendre ce bruit, quel qu'il soit, s'il vous plaît? Vous pouvez revenir au centre. Allez, venez, revenez au centre, s'il vous plaît. Allez, restez pas collé là. Hein. Qu'est-ce qui vous ennuie? Allez, venez. Merci beaucoup. Voilà. On a couché, c'est pas possible. Okay. Est-ce que vous avez pas une question? Je suis à côté de mes pompes. Quelle est la deuxième entité qui est présente ici avec Albert? Est-ce qu'elle peut se présenter, s'il vous plaît? Elle peut se présenter, oui. Ok. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je sais plus comment je m'appelle, moi. E D O U A R D. Édouard. Il y a Édouard. Je sais plus ce que j'ai juste moi. Édouard, vous, en quelle année êtes-vous décédé, s'il vous plaît? Hein? Huit? Six? Sept? En 1867, c'est bien cela? D'accord. En quelle année sommes-nous actuellement, s'il vous plaît? En quelle année sommes-nous actuellement? 2, 0, 2, non, 1, 2019. Non, on n'est pas en 2019. Ah, 2019, il dit. Ouais. Si, ah oui, c'est pareil. Non, on n'est pas non, nous sommes en 2022, Édouard. Oui. Nous sommes en 2022. Ça va arrêter de compter. Vous n'avez pas la notion de temps, peut-être, là?
là où vous êtes, vous n'avez peut-être pas la même notion de temps que nous. Est-ce que vous nous voyez correctement ? Donc j'aimerais bien voir si vous nous voyez correctement. D'accord. Donc vous savez bien que nous, on ne vous voit pas, mais vous, vous avez la possibilité de nous voir complètement. C'est bien cela, hein ? Vous nous voyez en chair et en os. Vous voyez notre lumière. Vous voyez notre lumière, c'est bien cela, Edouard ? Ok. Combien d'hommes y a-t-il dans cette pièce, s'il vous plaît, à part vous ? Quatre. À moins que je sois un mec, alors là... On parle pas d'entité, hein. Donc, combien de vivants, d'hommes vivants, vous voyez dans cette pièce ? Deux. Non, on a trois. C'est... Ben oui. Donc, il n'y en a pas deux, hein, Edouard ? Dans cette pièce, donc, de vivants, d'hommes. Oui, ça voilà, c'est juste. Ça c'est juste, oui. Et combien de femmes y a-t-il, s'il vous plaît ? Vivantes, s'il vous plaît. De femmes vivantes. Voilà, ça c'est correct. Mais combien, on voit quoi ? Trois. Trois. Puis il corrige directement. C'est même pas juste parce que ici il compte tout le monde, il y a quatre femmes ici alors. Dans la pièce, j'ai dit. Ah oui, de vivants, vivantes. Oui, vivantes, mais ouais. Il y a quatre femmes. Il y a la femme de. Oui, mais. Non, ici j'ai dit juste dans la pièce. Ah oui, ouais, en tout il y en a quatre, oui. Ou sinon, par c'était contre, vrai tantôt. Par contre, il y avait bien quatre hommes. Il y a bien quatre hommes dans le. Dans le château. Dans le château. Dans le château, il y a bien quatre hommes. Oui. Ouais, il faut voir, voilà, il faut voir la clarté des questions et la clarté des réponses, c'est sûr. Edouard, est-ce que vous avez fait partie des seigneurs du château ? Non plus. Que faisiez-vous dans ce château ? B. Ah. Elle. Ah. Ah. D. Vous faisiez des balades ? Vous faisiez des balades dans le château ? Couché. Revenez au centre, s'il vous plaît. Vous faisiez des balades avec des chevaux ? Vous alliez chasser ? A. S. A. T. Azat, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tant qu'on cherche, hein. Ouais, peut-être. Vous abonnez si vous voulez regarder ce que veut dire Azat. C'est la signification de Azat. Oui. S'il y a une signification. Oui. Edouard, il y a quelques instants, c'est Albert qui a communiqué avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez Albert ? Comment vous, vous voyez Albert autour de vous ? E. N. E. Je sais.
Une énergie, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous êtes capable de communiquer avec cette énergie? Oui. Édouard, c'est la première fois que vous communiquez avec des vivants de la sorte? Non. Comment l'avez-vous fait les autres fois? A B L E par la table, ok. Est-ce que vous aimez communiquer avec les vivants de la sorte? Oui et non. Oula. Avec nous, et vous avec, aimez oui. communiquer avec nous. Pourquoi? Pourquoi vous aimez communiquer avec nous? A M O U amour. C'est toujours beau, évidemment. Oui, oui. Nous sommes dans l'amour. Édouard, est-ce que vous avez, vous, un message à nous faire passer tant que vous êtes là? Quel est votre message, s'il vous plaît? Oui, ok. Quel est ce message? O U R A G courage. Ouais. À qui dites-vous courage? À Manu. J'ai une question importante. Est-ce que... Est-ce que vous êtes content qu'on essaye de rénover le château? Oui. C'est... H... A R L E Charles. Charles. Il y a un temple là, non? Oui, il y a un temple là. Oui, hein? Il y a un courant d'air du tonnerre de Dieu. Oui, il y a un temple là. Entre la porte, c'est le châssis. Là, il y a encore un toc. C'est le châssis, oui. Qui bouge. Hein. Là, les taux viennent de là. Donc Charles, pourquoi Charles? Charles. C'est pas ça le prénom que tu avais tantôt? Je sais plus. Si, on a eu Charles. Ouais. Voilà. Mais c'est Manu qui a eu Charles. Ouais. Oui, hein. Dans le couloir. Le premier prénom ouais. qu'elle a Manu, oui. c'est Charles. Maintenant, Qui est Charles? Ouais. Qui est Charles, Édouard? On parle de rénovation de château. Si vous êtes content, vous dites oui, et puis vous nous donnez le prénom Charles. Qui est Charles, s'il vous plaît? U N A H O M M Un homme. C'est pour autre chose, ça sera pas Charles. Un homme, oui. B O
un homme bon. C'est un homme bon, ok. C'est un contemporain. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit encore? Non. C'est quelqu'un qui a participé à la rénovation du château, peut-être, qu'on ne connaît pas. Il fait froid tout le monde. Oui, et moi aussi, je sens, il fait en une fois, il fait... Et jusqu'à mes pieds, on sent même dans le fond. Ouais, je confirme, il fait vraiment... Bah, Eric l'avait dit, mais... Ouais, mais là, c'est... Mais c'est Alex sorti, qu'il a ouvert la porte dehors. Ah, peut-être. Parce que ça me vient par les pieds, moi, en tout cas. Peut-être bien. Peut-être, ouais. Parce que ça n'a pas changé, hein. C'est toujours le même pour André depuis longtemps. Oui. C'est pas Charles Le Bon, quand même. Oh, Charles Lebon. Ouais, Charles, Lebon, Charles Lebon, c'est loin. Oui, hein. Ah ouais, c'est pas là. Hein. Il est de quand, ce château? Au 9e siècle. Hein? 9e siècle, j'ai lu. Et c'est avant ça, Charles Lebon? Ouf, ça doit être dans ces eaux-là. Hein, c'est... Je sais pas, Natacha va trouver. Bah, je sais pas, ça me vient comme ça, Charles Lebon. Il a dit lui, tantôt. Ouais, lui, il est en 1700, il est en 1867. Il bouge. Ah. D. E. M. A. À demain. Ici. Oh, merci beaucoup, Charles. Vous viendrez nous rencontrer demain? Non, c'est Edouard. Pardon. Non, non c'est Charles. Charles. Bon. C'est Charles. Il parlait de Charles. C'est vous, Edouard. Vous viendrez nous voir demain? Oui. Mmh. Ok. Ok, mais à demain alors. À demain. Bonne nuit, Edouard. Bonne nuit. Vous êtes expédié, celui-là. Oui, oui. Parfois, c'est comme ça. C'est comique, quoi. C'est... Bon. Ouais. Mais comme dit Eric, si Alex est allé sortir fumer une cigarette, il a laissé la porte ouverte. Oh, hein. Oh. Qui c'est qui s'est fait ici? Oula, qui est-ce? E. L. Oh là là. U. F. A. Elufat. Ça dit quelque chose. Elufat. Rien du tout. Et Lufat, ça veut rien dire pour nous, je ne sais pas qui vous êtes. Et... Qui êtes-vous? Putain, m'a pris beaucoup d'énergie. Bon, allez. Bah si, on a pris beaucoup d'énergie. Moi, je me dis que si. Et Lufat, ça ne veut rien dire, désolé, pour nous en tout cas. Oui, mais pour nous, ça veut rien dire. Et Lufat. C'était son prénom, hein. Son nom. Ouais. Bizarre, quand même. C'est votre prénom, Elufat? Non. Qu'est-ce que c'est, Elufat? Vous pouvez nous aider? Ça, c'est un ventre. C'est... H... E... R... Cher... C... H... Cherche. Sympa. Merci. On est trop fatigué là pour chercher. On est vraiment épuisé. On est fatigué. C'est moi qui vous dis. Parce qu'on m'a pris. Bon. Natacha, je sais que toi tu vas aller coucher très tard. Elufat, tu sais peut-être. J'ai bien Google et ton ami, mais Elufat, je sais pas si ça peut te dire quelque chose. Nous, ça nous dit rien comme ça. Ça ne nous dit absolument rien.
Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes un homme. En tout cas, vous avez beaucoup de force. Oui. Hein. Quel est votre message pour nous, s'il vous plaît? N. A. B. A. N. Ah bon. D. Do. O. N. N. Abandonner. E. N'abandonner. P. Ah. A. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Non, on peut mal. Donc vous nous dites de continuer comme on le fait pour obtenir la preuve que nous venons chercher ici au château de Vos, en espérant trouver Lucie, la lumière. N'abandonnez pas. Ok. À part ce message, vous avez un autre conseil pour nous? D. A. N. S. Dans. V. O. T. R. Dans votre. L. I. On nous envoie dormir, je vois. Dans votre lit. Ouais, mais. T'as demandé un conseil. Va dans ton lit. Oui, puisqu'on est fatigué, c'est peut-être ça qu'il veut dire. C'est ça que vous voulez dire? Vous nous conseillez d'aller dormir, se reposer? Ok. C'est ce qu'on vient de me prendre, moi. Ok. Ben, on va. C'est ce qu'on va aller faire. Merci beaucoup. Merci du conseil. Merci beaucoup. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'on va aller faire. On va arrêter pour aujourd'hui. Vous viendrez nous voir demain? D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. On a mis toute une série d'appareils. Je ne sais pas si vous les comprenez. Oui. Si demain, vous pouviez les faire interagir, les faire bouger, qu'on puisse... Nuit. Même cette nuit. Si je mets un pot cette nuit. Ouais. Ouais. Quel heure est-il? Une heure. Ça bougera vers 3. Ça bougera vers 3 heures. Ouais. Tu as ouvert la porte de l'extérieur? Oui. Ah, ça va, d'accord. Tu l'as laissée ouverte, tu veux dire? Non, j'ai fermé. T'es sorti, t'as refermé? Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu alors, ce froid? Ouais. Si, c'est plutôt ok, ben on va. Oui. Non, voilà, je crois qu'on n'obtiendra pas d'autres résultats. Non. On va suivre leurs conseils, hein, oui. Puisque ça veut dire que ils sentent de là où ils sont, ils sentent qu'on est fatigué. Ils m'ont pris vraiment là. Et en plus, ouais, en plus sur Manu, donc je crois qu'on n'obtiendra pas de résultats plus que ça. Ils nous conseillent d'aller dormir, donc ils sentent qu'on est fatigué. Ok. Vous êtes d'accord de clôturer cette séance? Oui. Oh, est-ce que vous voulez bien vous diriger vers le mot fin, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc je mets fin à cette séance de Ouija et je demande à toutes les entités positives, négatives qui se seraient approchées de bien vouloir regagner leur plan d'existence d'origine, de ne pas nous suivre, de ne pas nous faire de mal et de revenir nous voir demain. Oui, s'il vous plaît. Nous serons encore là demain. Merci beaucoup. Valditus. Ilfa. Oui, Ilfa. Te ou Ilfa. Fat. Avec un T à la fin. Ouais. Bah, je suppose que Natacha va regarder, qu'elle va envoyer, si elle obtient des infos en tout cas, ou les abonnés, hein, peut-être des informations à ce niveau-là. C'était là.
Donc, on va suivre leur conseil. C'est que apparemment, on est plus dans les conditions pour pouvoir obtenir de bons résultats. Maintenant, comme on l'a dit, voir Lucie comme ça du premier coup en arrivant comme ça, ça aurait été trop beau. Mais voilà, d'après eux, on aura peut-être une chance demain. Ils nous ont dit d'être patients. On va patienter jusque demain. Donc, merci à vous de nous avoir suivis si tardivement. Merci beaucoup. Merci Natacha aussi. Merci à tous. Moi, ils m'ont pompé beaucoup d'énergie, donc je pense que j'ai bien besoin de mon lit. Et encore merci à nos amis qui sont venus nous voir. Ah oui. Oui, merci à nos abonnés qui sont venus voir. Hier aussi. C'était vraiment un grand plaisir. Un grand plaisir de vous rencontrer en tout cas. On vous aime. Voilà. Tout le monde n'a pas l'occasion de le faire, mais quand il y en a, c'est un plaisir partagé, évidemment. Donc, merci. Merci à toutes et tous. Oui. Pour cela. On se retrouve demain, donc on va placer, en tout cas moi je vais placer une caméra dans ma chambre, on va vraisemblablement laisser un pod, peut-être le thérémine, ça va réveiller tout le monde. C'est pour ouais, peut-être le propriétaire ça. Aussi. Mais non, ils nous ont dit que ça ne dérangeait pas. Bon voilà. Non ouais, bonjour. Laisse. Peu importe, on va ça laisser. Bougera vers 3h, tu sais bien, c'est vers ces heures-là que ça bouge. Et on se retrouve demain parce qu'on va, analyser ce qu'on a capté dans les différentes caméras et qu'on n'a peut-être pas vu. On va analyser ça la journée et demain soir on se retrouve là plus tôt qu'aujourd'hui. Donc demain, puisqu'on a commencé tardivement, je propose qu'on commence plus tôt, je vais dire aux alentours de 21h. On commencera plus tôt demain, même s'il fera encore un peu clair. On commencera vers 21h, comme ça, ça laisse. Demain on est dimanche. Les gens travaillent le lundi, donc et nous on retourne lundi. On commencera plutôt demain. Donc demain, rendez-vous vers 21h et pour une nouvelle enquête, en espérant qu'on puisse voir cette fois-ci Lucie ou autre. Oui. Ou autre. Ou la dame au chignon. Ou la dame au chignon. Bonjour, et, bonjour. Et on vous racontera peut-être ce qui va se passer cette nuit. Ouais. On va peut-être la voir. On va peut-être la voir dans notre lit, oui. Ou en tout cas proche. Ouais, ils peuvent le bercer, il n'y a pas de soucis après ce qu'ils vont faire. Voilà, merci à tous, bonne nuit, à demain, et merci encore.